C'est sur la plage de Essaouira, sur la côte ouest du Maroc, que l'on retrouve nos aventurières. Deux jours ont passé depuis la fin de leur compétition et 14 depuis leur départ de Nice. Un remarquable périple. Les sentiments s'entremêlent, l'esprit gazelle se diffuse en elles. C'est de la joie aussi personnelle parce qu'on a réussi à finir le rallye entière avec les 4x4, avec nous deux, on est fiers de nous. Donc c'est beaucoup de... De joie, en fait, c'est que de la joie. On est trop bien là, c'est magnifique. Essaouira, c'est la fin de notre aventure. Tout s'est bien passé. On la termine dans des conditions exceptionnelles puisque on est là. C'était une aventure magique, mais vraiment magique. De cette aventure, ouais. C'est... Non. Là, il est un super binôme. Ah, on est super contentes. On a vécu le rallye avec tellement d'envie, de joie, de plaisir, et puis l'envie d'aller jusqu'au bout, tout simplement. Honneur aux vainqueurs, les gagnantes de chaque catégorie ont le privilège d'emmener le cortège. Avec désormais 4 victoires dans le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc à son palmarès, Janet James entre dans un cercle très fermé. L'anglo-saxonne la plus expérimentée du bivouac, avec 11 participations, a poussé sa coéquipière Muriel Tarazi à se surpasser. On a été une bonne équipe, un bon partenariat, elle était super pilote et il fallait suivre quoi. Sur le coup, tout ce qui se passe là, c'est génial, c'est super, mais je ne me rends pas trop compte encore. C'est un privilège, je suis consciente de ça. La reine du désert garde sa couronne. 14 participations pour Betty Kraft, 13 victoires avec 6 coéquipières différentes. Le binôme que la doctoresse vétérinaire forme avec Sonia Baudouin-Guérard est toujours invaincu, guidé par une notion impalpable. On n'est pas forcément allé chercher la 13e victoire à tout prix. On se fait plaisir, nous on est là pour se faire plaisir. On est très complémentaires, toutes les deux très volontaires, on lâche rien, même jusqu'au bout. C'est ce que l'on appelle une victoire inattendue. Loin de jouer le classement général chez les crossovers, l'équipage suisse 312 s'est révélé et a bénéficié d'une casse mécanique de leurs adversaires le dernier jour pour gagner. Sentiment partagé. On n'a pas senti comme vraiment une victoire parce que nous on s'entendait à être deuxième et puis on était contente avec cette place. Et puis c'est vrai qu'on était vraiment très triste pour elle parce que tu vas vraiment être dégoûté de casser si près d'arriver. De la fierté, être heureuse d'être arrivée au bout avec la voiture entière, c'était l'essentiel pour nous. Et en bonus, eh ben, on gagne, alors c'est magnifique. Elles sont donc les deuxièmes à inscrire leur nom au palmarès de la catégorie e-gazelle auto Vinci immobilier. Deux victoires d'étape pour Stéphanie Guéry et Karine Poisson sur la Zoé. C'est moins que leurs principales adversaires, les 505 sur Blue Summer. La régularité a payé. Une grande fierté, une immense satisfaction et un grand bonheur de partager ça avec mon conjoint, Karine, l'équipe. C'est chouette. C'est la cerise sur le gâteau. En plus, on est première et c'est ce qu'on voulait, donc on était venu pour ça. Donc on est super contente. Dernière catégorie, les buggies électriques prototypes. Seulement 2 équipages engagés, mais au final une bataille chargée de rebondissements. 47 km d'écart à l'avantage des Françaises. Finalement, l'écart n'est pas très, très 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 grand et on est contente d'être sur la première marche. On a eu la chance de rouler un prototype, d'essayer de faire avancer un petit peu dans l'électrique. Et vraiment, on est les pionnières de cette aventure et on est fiers de ça. La plage d'Essaouira marque également la fin du challenge Beauty Euro 4x4 Part qui récompense le véhicule le plus original. Élu par les gazelles, l'équipage 177 gagne 8000 euros de remise sur ses droits d'inscription pour l'année prochaine pour leur 4x4 maquillé à leur effigie. Ah, c'est super, c'est merveilleux. Et puis cette année, c'est une année particulière parce que la voiture a été complètement dessinée par France et cette voiture a une histoire. Oui, la raconte. Je suis graphic designer en publicité et je me suis dit pourquoi on ferait pas un truc un peu rigolo, sympa. Donc je lui ai proposé, elle m'a dit vas-y, carte blanche. Et les dromadaires, c'est pas n'importe lesquels. C'est nous deux. C'est nous. J'ai un caractère un petit peu de chameau, on peut dire. Donc je lui ai proposé, je dis ça te dit, ouais, on y va. C'était un petit clin d'œil, on s'est amusé.
La parade sur la plage terminée, c'est sous les applaudissements de tous les bénévoles du rallye que les gazelles entrent sous le chapiteau. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit ? C'est l'heure de la remise des prix. Toutes les participantes repartent avec des souvenirs inoubliables et un trophée. Le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 2019, c'est fini. Bravo et merci à toutes les gazelles. Rendez-vous l'année prochaine pour la 30e édition.